Peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Bon, allez. Il est toujours là. Si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà! Nous étions très inquiets, jeune fille. Oh, c'est une qui joue. Oh, c'est glauque. T'as mais arrêtez de vous éteindre, putain. Oh putain. Je vais pas éviter ça. À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Je ne te comprends pas du tout. C'est un don.
On ne va pas aller par là. Oh putain, non, c'est pire ici. Wow. Non, non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Non, putain, elle est toujours pas partie. Dis-moi que tu rentres, dis-moi que tu rentres. Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Appétissant. Bon, elle est partie. Faut que je me dépêche. Ok, attends. On tient un truc là. Comme ça. Mais non. Je l'ai presque. Voilà, nickel. Ah, de ces clichés. Ish. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi, toi, tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. Nous t'aimons. Ouvre les yeux. Accepte-nous. C'est pas possible. Tu ne comprends rien. Et tu ne te rends même pas compte. Non, 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 non. N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité. Et t'en vis-tu, jeune fille. Non, non.
Wow. Oh putain. Pourquoi tu allais comme ça? Plus de bruit, non? Dès le début, il y a des bruits flippants. Ça commence fort. Qui a construit cette baraque? Mmh.
Mauvais. On dirait qu'on se dirige vers la mort. Mais bon, encore, faut y aller. Faut y aller. Wow! Oh! Oh, punaise! Ça a l'air d'être partout comme ça. Oh putain. Génial. Oh non, donc pour sauvegarder. Absolument que tu trouves les têtes de chien sculptées qu'ils utilisent comme clé. J'en ai une dans la salle de dissection de sous-sol, mais la main dessus, c'est le seul moyen de t'échapper. Génial. Je sens que quelque chose ne tourne pas rond chez moi. C'est sûrement cette saloperie qui m'ont fait avaler. Si je dois y rester, je veux au moins me battre. Je vais m'emparer du fusil que j'ai vu dans la salle de jeu et leur faire regretter ce qu'ils m'ont fait subir. Tu dois partir d'ici, Courneil, je t'aime. Trévis. Okay. Apparemment, il y a un fusil dans la salle de jeu. Ok, on va se regarder.
T'en débrouilles pas, putain. Peut-être moi qui sens pas de pas. Putain d'enculé. J'entends du bruit derrière la porte. Ok. Bon. J'ai attrapé le type qui passe son temps à essayer de s'enfuir. Je l'ai enfermé dans l'incinérateur tout à gauche pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Charge-toi de lui quand il sera prêt. Tu te souviens comment ouvrir la porte, n'est-ce pas? Retiens juste ça. 3-1 et une empreinte de main. Parce que tu veux de la fille. Empreinte de main, William, Sean. Je suppose que ça doit être celui-là. Quoi, putain, je comprends. Ce que j'ai fait, putain. Waouh! Oh oui. Ok, autant de munitions, c'est pas normal. Oh, c'est dégueulasse.
peur, je ne sais quoi. Je pensais que ce serait fermé. Bon, on ira voir après. Après, à mon avis. Je sais pas, ça me dit rien en tout cas. Maintenant qu'on a la clé Scorpion, on pourra aller chercher le fusil. Génial. Bon. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de l'épisode. Parce que je me suis clairement chié dessus. Go tell and Rhodey.